Distribuée en France depuis 2009, la Chevrolet Cruze n'avait droit au départ qu'à une version 4 portes avec des dimensions de familiale mais vendue au prix d'une compacte. Un bon plan donc, et l'arrivée d'une version 5 portes ne gâche rien puisque le prix baisse de 500 euros au passage. Voici la Cruze 5 portes en finition LTZ, presque haut de gamme, pour moins de 20 000 euros. A l'intérieur, la présentation est plutôt agréable en termes de design, mais la qualité des plastiques et de l'assemblage laisse à désirer. La garniture de planches de bord en tissu est originale et évite un plastique bas de gamme en face des yeux. Détail énervant, la molette de réglage de climatisation de gauche peut être bougée par le genou conducteur, attention aux températures. La gamme de motorisation de la Cruze comporte un diesel de 163 chevaux et deux essences de 124 et 141 chevaux. C'est ce dernier que nous essayons ici et il s'avère suffisant dans l'absolu, même s'il manque de caractère. Préférez-le en tout cas au 1,6 de 124 chevaux, vraiment très creux. Le comportement est sain, plutôt confortable, mais le châssis peu dynamique manque de précision. Aux places arrière, l'espace dévolu aux passagers est le même que dans la version 4 portes, l'empattement restant inchangé. Deux adultes sont donc correctement installés, un éventuel passager central sera moins bien loti, notamment à cause d'un dossier trop dur. Et puis la largeur reste limitée pour 3. A noter la présence de deux aumônières et d'une prise 12 volts à l'arrière. Le haillon, c'est donc la spécificité de cette version 5 portes. En passant de 4 à 5 portes, la Cruze a perdu quelques centimètres en longueur et décimètres cubes en volume de chargement. Il s'établit à 413 décimètres cubes contre 450 à la 4 portes. Mais le haillon permet un chargement plus facile pour des objets encombrants. La banquette se rabat bien sûr, mais sans dégager le plancher parfaitement plat. Le point fort de la Cruze, c'est son prix. Notre version bien équipée avec son moteur de 140 chevaux coûte 19 400 euros, avec des prestations de grande compacte ou petite familiale. Difficile de faire mieux donc côté tarif, mais à l'utilisation le bilan s'assombrit avec la consommation. Du haut de ses 141 chevaux, la Cruze émet 155 g par kilomètre de CO2. Dans la catégorie, c'est loin des références.